Ça va super bien, très heureux déjà. Ça fait plus d'un mois. L'album est bien sorti. On a eu de beaux scores. Et là, il y a un fond de qui a pété. Donc, je suis venu spécialement à Abidjan pour faire un peu de promo et tout. Je suis un enfant de Dieu et je pense que c'est un titre qui se limite pas, tu vois. Après, j'ai pas vraiment choisi. Je pense que ça s'est imposé à moi. D'où je comprends beaucoup mieux pourquoi ça a beaucoup pris un peu partout. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est vrai, bien sûr. Et ce n'est pas un buzz. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était un clip en tournée. Non, c'est pas un clip. J'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Je me suis baptisé ce lundi de Pentecôte, ouais. Bah après, pour quelqu'un qui s'appelle Fanny Côte Jésus, je sais pas pourquoi ça étonne, c'est une suite logique, tu vois. Il y a mon frère qui est pasteur, il m'a toujours appelé Jésus. Avant même que je commence à chanter. Et puis, vu que je m'appelle Fanico Olivier, j'ai préféré garder comme blase Fanico de Jésus pour commencer ma carrière. Et tout de suite, ça a marché. Dans tous mes sons, mon tout premier déjà, j'ai mis de Jésus. C'était un carton, on va faire comment. Après, je me suis dit, dans tous mes sons, il faut que je garde de Jésus. Sinon, pour moi, ce son ne marcherait pas du tout. Donc, franchement, j'ai vraiment senti le truc. Et même à la veille de mon baptême, j'ai parlé longtemps avec une sœur à moi. On a parlé de Dieu, on a parlé de plein de trucs sur ma vie. Et j'ai senti qu'il y a un truc qui me manquait. J'ai senti que j'avais besoin vraiment de Dieu dans ma vie. J'ai senti qu'il fallait que je passe cette étape de juste garder ce nom de Jésus, ce blase de Jésus, de vraiment la vivre maintenant cette vie. Et ça s'est lancé le lendemain direct. En plus, un lundi de Pentecôte. Quelle bénédiction. Voilà un peu. Donc avant, je vivais beaucoup pour moi-même. J'étais libre de mes choix, de mes actes. Donc maintenant, je vis comme sa volonté et je marche en conformité avec sa parole. Ben, pour les choix, j'ai connu beaucoup de vices, je pense. La drogue, l'alcool. Encore que j'ai arrêté il y a 8 ans, les femmes. Non, j'ai vraiment choisi de donner ma vie à Dieu, de faire des concessions surtout pour suivre sa voie. C'est un peu ça. Pour la promotion de l'album, il y a des sons qui ont été faits. On va continuer à faire la promotion de l'album, oui, mais après l'album, ça sera une nouvelle découverte, ça sera un nouveau Fanico avec beaucoup plus de paroles, avec beaucoup plus d'évangile. Et maintenant, je pense que j'irai beaucoup plus avec l'inspiration du Seigneur. D'autres n'y croyaient pas. Il y avait mes frères, mais vraiment mes frères qui m'appelaient. Ah bon, tu t'es baptisé? Je me dis, oui, c'est pas un clip, tu tournais. Mais pourquoi tu nous dis la vérité? Je me dis, mais attendez, pourquoi ça vous étonne? Depuis un moment, vous savez comment je suis, comment je me comporte. Donc, à un moment donné, il fallait forcément que ça arrive. Donc oui, je me suis lancé, je me suis vraiment baptisé. Et, en tout cas, félicitations, on est très content pour toi. Et que Dieu te guide pour la suite, à la vie et tout. Je me dis, merci, c'est gentil. Oui, le gospel, c'est annoncer l'évangile. Donc, c'est normal pour un enfant de Dieu d'annoncer l'évangile. Donc, évidemment, je me servirai de ma musique pour annoncer l'évangile. Ouais. Oui, avec KS, on a une collaboration en attente. Enfin, nous, en cours. Après l'album, franchement, vous allez découvrir le vrai Fanico de Jésus. Il est temps. Oui, je dois continuer la promotion parce que je suis soumis à des engagements. J'ai pas travaillé seul, je travaille avec une équipe, je travaille avec des gens. J'ai signé des contrats avec des gens, donc il faut que je finisse vraiment la promotion de cet album. Je veux vraiment rassurer, c'est pas un buzz, c'est moins une histoire. Je pense que c'est un bon parcours que je suis en train de vivre actuellement et je voudrais partager tout ça avec vous. Donc oui, je me suis vraiment baptisé. Tout ce que j'attends de vous, c'est de me soutenir en prière, que tout se passe super bien. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour la compréhension de Jésus, on est ensemble.